Salut tout le monde et bienvenue sur Age of Mythology Retold. Aujourd'hui je vais démarrer le jeu la campagne La Chute du Trident avec donc le prologue et la première mission pour les autres. Je vais faire cette campagne en difficulté moyenne. J'ai pas envie de m'embêter, je vais pas mettre de pression inutile. Donc, standard je vais essayer de m'éviter, je vais monter en moyen, ce sera déjà très bien. Donc on va commencer avec le prologue, sommeil agité, puis la mission 1. Athéna apparaît dans un rêve pour la lancer Arkanthos dans sa quête. C'est parti. On dirait Tyris. Voilà longtemps que vous l'avez envoyé aux enfers, Arkanthos. Encore ces vieilles batailles? Oui, de vieux ennemis. Je les vois toujours. Vous avez gagné d'innombrables batailles pour Atlantide, affronté l'ennemi comme personne d'autre. C'est loin tout ça. Aujourd'hui, les ennemis d'Atlantide ne vivent que dans mes rêves. Les pirates sont affaiblis. C'est ce que vous pensez, Atlantéen? Atlantide a toujours des ennemis. Et vous êtes celui qui les affronterait. Celui qui menace ma maison ou les miens rejoindra rapidement mes rêves. Ces ennemis sont différents des autres, Arkanthos. Ne baissez pas la garde. Les temps sont graves. Nous avons besoin de vous. Arkanthos, réveillez-vous. Amiral. Amiral ? Oui ? Terre à l'horizon. Nous arrivons bientôt à Atlantide. Parfait. Quel plaisir de revoir Castor, mon fils. Des pirates attaquent l'Atlantide et Poséidon semble mécontent. Alors qu'Arkanthos voit les aventures terminées, ben c'est pas le cas. Vous ne pouvez ignorer les présages, Arkanthos. Poséidon est visiblement en colère. Nous devons mettre fin au siège de Troie. Avec un peu de chance, nos troupes arriveront avant la fin du combat. Et alors elles n'auront plus qu'à brandir la bannière d'Atlantide. Ce n'est pas le rôle d'un amiral. Si vous envoyez un jeune officier, cela vexera Agamemnon. Lui qui se plaint déjà du peu d'intérêt que nous portons aux colonies grecques. Non, ce sera vous. Au nom de... Castor, restez ici! Ok, c'est parti. L'armée Atlante est en marche. Défendez le port jusqu'à son arrivée. On va essayer de s'occuper de ça. Alors, ok, il y a une petite différence là avec les deux. Bien joué, mais nous devons nous préparer à d'autres attaques. Je crois que j'ai commencé à faire des défenses en plus là. Une ici, une là. N'oubliez pas que d'autres toxotes peuvent être formés. Il y a un succès spécifique sur cette mission qui est formée en plus de la terminer. 10 opites et 10 taxars supplémentaires. Bon, déjà, on va préparer tout ça. Des voiles noires, des troupes de débarquement. Alors attention ici. Prostagmani, vous l'homme. Prochesse, vous malesta. Esco. Hetimos, pani. Ne. Isvoli, kalo. Prostagman, toro. Lege. Bien, les voiles noires vont le regretter. Hetimos. Hétimos, vous l'emmenez. Les hoplites sont des unités d'infanterie formées à l'académie militaire. Utilisez-les pour protéger vos toxotes vulnérables. Voilà. On va déjà former des hoplites pour démarrer et tenir plusieurs un petit peu. Plusieurs villageois travaillent en ville, à l'ouest du port. Si vous tombez à court d'une ressource en particulier, vous pouvez les réaffecter pour en récolter. Prochez. Hétimos,
Ok, parfait. Donc là, on est en train, j'établis des tours pour mieux me défendre. Un autre Kraken! Pas de doute, Poseidon est furieux! On n'a pas assez de temps. Bon, ça c'est embêtant. Beau travail, mais restez vigilant. Ok, on a un bioplit en tout. Utilisez le pouvoir divin restauration pour soigner vos usages de ce pouvoir. Et réparer vos bâtiments. Apportez ces lance-pierres ici. Ah bah en parlant de lance-pierres, ah, ils ont finalement... Ok. Et on a fait le premier succès. Donc un autre Kraken en direction du rivage. Bioplit et... Ils serviront en défense. Donc on a déjà repoussé deux des vagues. Etmos. Est volume. Is voli. Arkantos, n'oublie pas de faire appel à tes pouvoirs divins. Vos pouvoirs divins sont situés en haut, au centre de l'écran. Les troupes de débarquement. Orthos. Pani. Orthos. Pani. Vulome. Pani. Kalos. Vulome. Isvoli. Pani. Ismachin. Parfait. Préparez-vous. Ce n'est pas encore fini. Né. L'une de nos tours, elle a bien souffert. N'oubliez pas d'améliorer les armes et les armures de vos unités à l'armurerie. On va tout de suite renforcer nos dégâts, puis nos troupes, aussi nos défenses. Et je vais améliorer ça pour les fermes. Donc on a Krios qui regarde là-haut. Et Castor, qui est le fils d'Arcanthus. Hein. Des voiles noires, des pirates. Πρόσεχε. Λέγε. Έστω. Έστω. Μα έστω. Βούλομαι. Λέγε. Βούλομαι. Καλώς. Χώρο. Βούλομαι. Πάνε. Λέγε. Έστω. Χώρο. Και πρόσταγμα. Καλώς. Χώρο. Λέγε. Έτοιμος. Βούλο. Ορθός. Les pirates ne prendront pas Atlantide comme ça. Qu'est-ce qu'ils croient? Non, on n'a pas un villageois malheureusement, mais on va essayer de renforcer un petit peu nos défenses là. Tecton. Tecton. Histoire de se mettre bien quoi. Tecton. Un autre Kraken en approche! Le dernier, par pitié! Oui, oui, bon, on un débarquement de voile noire! Et esto, tecton. Lege? Ne. Esto. Prostagma, orthos. Prostagma, ne. Vulon. Lege, pan. Galos. Orthos. Orthos. Vulon. Oro, Vulome, Kalos. L'armée Atlante sera bientôt là. Heti Prostagma, Oro. Etimos. Je vais essayer de continuer de renforcer un petit peu parce que. Prochese, Vulome. Lege, Orthos. Voilà, nos archers ont fait le taf. Vulome. Avec le support des lance-pierres aussi, là. C'est parfait. En vrai, il y a un petit changement par rapport à la première mission originelle. Avant, on avait un forum ici. Maintenant, c'est plus le cas. Peut-être qu'ils ont estimé que c'était un petit peu trop facile, sinon. Ouah, il y a une armée de Kraken ici. Lege, Orthos, Pani, Prostagma, Vulome. Alors, ça, on peut pas y toucher, on dirait. Ok. Etimos, Orthos, Etimos. Yeah.
Arkantos, l'armée Atlante vient d'arriver. À vos ordres, Arkantos. Invoquez le pouvoir divin Orage pour décimer tous les pirates qui vous attaquent. Les voiles noires s'enfuient. Il faudra plus que des pirates pour envahir Atlantide. Bon. Alors, l'animation pour cette première mission. Un autre message de Poséidon, Arkantos. Ces créatures aident les pirates. Père, ils ont volé le trident! Quoi? Oui, ils l'ont volé lors du combat. Camus. C'est évident désormais, Arkantos. Nous perdons la faveur de Poséidon. Il faut réagir. Bon, je vais aller à Troie. Et en chemin, je récupérerai ce trident. Zethos, embarquez des vivres et rassemblez les hommes. Nous partons. Puis-je venir? Non, restez ici au cas où il reviendrait. Ne vous inquiétez pas, cette mission sera rapide. Eh bien voilà, c'était notre première mission. J'espère qu'elle vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.